J'ai rencontré certains d'entre eux qui m'ont posé la question, les larmes aux yeux. Ils m'ont posé la question honorable. Est-ce que vous avez la volonté De finir cette de guerre. finir cette guerre? Est-ce que le gouvernement a la volonté? J'ai posé la question, pourquoi? Et on m'a dit, honorable, vous êtes venu lancer avec pompe l'opération que vous avez qualifiée de grande envergure. 31 octobre 2019, les militaires n'ont reçu de l'appui, du soutien que pendant 3 mois. Mais de janvier 2020 à juillet 2020, madame, Kinshasa n'a pas envoyé sur le terrain de Beni pas plus de 25 000 dollars. Sur 7 mois, Pas croyable, c'est qu'on me faux ça. démontre le contraire. C'est faux ça. Mais on achète des véhicules à plus de des millions de dollars. Comment on ne peut pas envoyer cet argent? D'ailleurs, c'est une des questions. Vos véhicules à vous, là, c'était à peu près 26 millions de dollars. Et comment on ne peut pas prendre... Est-ce que vous-même, les députés, vous ne pouvez pas dire non, l'argent de nos véhicules a donné ça à notre armée? Ou, non, mais vous êtes des égoïstes, sans blague. Est-ce Je que... tombe carrément des nues et je suis estomaqué parce que certaines vérités, je n'y crois pas, Jean-Baptiste. Je n'y crois pas. C'est pas Oui, possible. Je n'y crois c'est pas. pareil à ce qu'Alain Foucault a dit. Je n'y crois pas. Lorsque vous faites le tour, n'est-ce pas, de la situation à l'Est, vous vous posez la question de savoir qui nous a sorcelés à Kinshasa. J'ai dit les principaux alliés de ZADF. Ce n'est même pas l'Ouganda ni le Rwanda. Il se trouve à Kinshasa. Comment vous pouvez expliquer que des vaillants militaires soient abandonnés à leur triste sort? Alors, l'autre problème, vous avez lu le message, l'autre problème, c'est qu'il y a une confusion délibérément entretenue entre les égorgeurs. Je vous ai dit d'où ils viennent. Vous avez des cas de réfugiés dans des pays voisins. Et le gouvernement est incapable de nous dire quelle est la réalité autour de ces cas-là. Qui sont les véritables Congolais dans ces camps et qui ne le sont pas? On nous parle de 500 000 réfugiés congolais au Rwanda. 500 000. Mais oui, madame. Je suis dépassé. Est-ce J'ai que Kinshasa carrément dépassé. est capable de nous dire qu'il a mené les contrôles? Donc, l'Est de la RDC est envahi, les populations autochtones se retrouve Mais devant un fait accompli c'est parce que que abandonné il y par le avait gouvernement. un évêque qui avait dit carrément que c'est ça le but, dépeupler la RDC et que des populations étrangères y viennent habiter. Mais C'est c'est ça ce le qui se but ultime, en fait. fait. Le dernier monitoring qu'un collègue député provincial a fait, il est député du Nord Kivu, Alessi Wako, révèle que avant l'état de siège au Nord Kivu, dans les 4 territoires, Mambasa, Irumu, Beni, nous comptions 98 villages vidés de leur population. Aujourd'hui, ce nombre est passé à 126. Et qui habite maintenant dans ces Qui villages? habite? Je vous dis, des populations viennent de ces camps de réfugiés. Ils se donnent la fausse identité de Banyamusha et ce sont eux qui sont dans ces endroits-là. Le pays est en train d'être occupé. Les terres sont en train de nous être ravies. Pendant ce C'est ça la temps-là, vraie balkanisation, en mais fait, c'est hein? ça C'est la ça. dynamique de cette guerre, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et nous ne Pendant ce pouvons pas. temps-là, Mbosso nous dit quitter les groupes armés. Mais qui vous dit que cette guerre est entretenue par un député provincial? J'ai suivi le porte-parole de l'armée au Nord Kivu qui dit ce sont les Mais députés vous êtes du Nord provinciaux. Kivu. Mais le pauvre député, avec un salaire de 1 500 le mois, avec toute sa base, il entretient un groupe armé et tout un gouvernement est incapable de mettre la main sur lui, incapable de neutraliser ce groupe armé. Madame, il y a d'autres groupes armés qui ne sont composés que de 7 personnes avec un Kalachnikov. Et l'armée vous dit qu'il est incapable de le neutraliser. Et on vous dit que ce sont les fils du terroir qui organisent ce groupe armé.